ching x tous ces Uikino, dans cette vidéo je vais vous présenter une méthode de farming très lucrative pour un très faible investissement. Cette méthode est parfaite pour les personnes ayant peu de ressources et qui n'ont pas un build assez puissant pour avancer dans l'Atlas. Elle se repose sur le farming de Blighted Map de très bas tiers. Avec les changements qui ont été apportés par le page 3.14, la valeur des récompenses des Blighted maps sont maintenant influencées par le pourcentage de quantité d'items se trouvant sur la map. Il y a donc une augmentation de 20% sur la valeur des coffres par rapport à la quantité d'items. La stratégie sera donc de farmer ces maps en augmentant un maximum cette quantité afin d'optimiser les gains en currency. J'ai fait donc l'expérience de farmer 100 blighted de maps les moins chers possibles et j'ai répertorié tous les gains que je faisais afin de voir si farmer ces maps sont bénéfiques et si oui à quel point. J'ai aussi voulu voir la difficulté d'utiliser cette méthode de farming et comment je pourrais maximiser les loots. Cette vidéo vous présentera donc en détail tout le fonctionnement du farming, les stratégies ainsi que tous les loots que j'ai pu répertorier dans un tableau Excel. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, en espérant que cette vidéo vous plaise. Sur ce, commençons ce guide. Avant de commencer, voici les outils et les ressources dont j'avais besoin pour commencer ce farming. Tout ce dont j'ai utilisé était une page de coffre premium ayant 4 fois la taille qu'une page normale, ce qui m'a permis de stocker un maximum de ressources. J'ai aussi utilisé une vingtaine de chaos pour l'achat de mes premières maps, une page de blighted oil afin d'annoter les maps, ce qui correspond à modifier les maps avec des huiles, et enfin le logiciel Chaos Enhancer qui m'a permis d'optimiser le farming d'orbes de chaos via la recette de chaos. Excepté la petite quantité de chaos orbes de départ, les différentes pages de coffre premium ainsi que le logiciel ne sont pas vitaux au bon fonctionnement du farming mais je vous conseille très fortement de les utiliser pour que ce farming soit un peu plus confortable, où vous n'aurez pas à constamment ranger vos coffres et à chercher les bons loots pour la recette de chaos. Pour la préparation de mes maps, j'avais d'abord besoin de les acheter. J'allais donc sur le site POE Trade et j'activais l'option Blighted Map tout en désactivant l'option d'objets corrompus, car je voulais éviter d'utiliser ou d'acheter des maps que je ne pouvais plus modifier. En appuyant sur rechercher, le site vous classera automatiquement les maps par ordre de prix croissant et j'achetais donc les premières maps disponibles. Étant donné qu'il y a un très fort trafic dans le marché de ces maps, je rafraîchissais fréquemment la page avant d'acheter des maps de plus en plus chères pour vérifier si des joueurs ne venaient pas tout juste de mettre en vente leurs maps pour un plus bas prix. Après les avoir achetés, je les améliorais un maximum. Tout d'abord en utilisant des huiles de la Ligue Blight afin d'apporter des bonus spécifiques à ces maps. Les meilleures huiles à utiliser sont l'Azure Oil et la Crimson Oil qui sont des huiles plutôt communes et qui permettent d'augmenter les chances d'obtenir des loots de valeur sur un certain nombre de coffre par huile. Vous pouvez aussi modifier une map avec un maximum de 3 huiles, ce qui augmente aussi le nombre de monstres se trouvant sur la map de 5% par huile, peu importe son type, pour un total de 15% de monstres en plus. Lorsque je tombais à court de ces huiles, j'essayais d'en crafter avec les huiles de tiers inférieurs. Crafter une huile nécessite de consommer 3 huiles de tiers inférieur, ce qui peut parfois vous coûter cher pour crafter ne serait-ce qu'une azure oil si vous n'avez pas assez d'huile du tiers juste en dessous. Vous pouvez aussi effectuer la recette de crafter une huile en les échangeant contre un PNJ. Dans le cas où je ne pouvais même plus crafter d'huile, j'utilisais n'importe quelle huile la moins chère possible afin d'atteindre les 15% de mon supplémentaire sur la map, ajoutant alors une petite quantité de loot en plus. Après cela, j'utilisais des chisets sur ces maps, en faisant attention de les appliquer sur des maps blanches car la qualité augmente de 5% par 5% sur des maps blanches au lieu de 2% sur les maps magiques et 1% sur les maps rares. Augmenter la qualité augmente ainsi la quantité d'items de la map jusqu'à un maximum de 20%. Ensuite, j'utilisais des orbes d'alchimie et des orbes de scouring afin d'améliorer la map en visant un minimum de 75% d'items quantity sur la map, tout en faisant attention à ne pas avoir de mode de reflet de dégâts physiques que mon build ne pouvait pas supporter. Enfin, j'utilisais aussi des fragments de sacrifice val si j'en avais en possession, je l'ai placé dans la map device en accompagnement de la map, car chaque fragment placé augmente de 5% l'item quantity de la map. Voici comment j'ai préparé mes maps. Toutes ces techniques et investissements sont nécessaires afin de maximiser les gains de ces maps, afin d'augmenter nos chances qu'elles soient rentables et qu'elles puissent rapporter un maximum de loot. Une fois la map lancée, ma stratégie fait toujours de trouver des points stratégiques et les carrefours de chemin de monstres pour y placer des tourelles généralement de type électrique, mignon et enfin des tourelles de puissance. J'essayais toujours d'attendre qu'un minimum d'emplacement de tourelles ainsi que des points de spawn de monstres apparaissent avant de placer mes tours. Puis je plaçais en premier lieu une tour de puissance, préférablement au centre d'une zone de tourelles, que j'améliorais au niveau 3, ainsi qu'une tour électrique que j'améliorais instantanément au niveau 4 avec la spécialisation de gauche qui est l'arc électrique. Cette tour est très puissante et permet d'anéantir des lignes de monstres très rapidement avec son sort d'arc qui attaque les ennemis et passe d'un ennemi à un autre jusqu'à ne plus avoir de cible à proximité. Je faisais en sorte de placer ces deux tourelles à des endroits de rencontre entre tous les recouvrements de chemin pour qu'elles puissent couvrir un maximum de terrain. Une fois cela fait, je plaçais d'autres tourelles de puissance de niveau 3 dans les zones non couvertes, accompagnées par un maximum de tourelles de minions que j'améliorais le plus rapidement au niveau 4 pour avoir des scout towers. Les scouts sont des minions volants qui ont une très grande portée et une excellente puissance et vitesse d'attaque au combat singulier. Ils peuvent donc anéantir des boss et des groupes de monstres extrêmement rapidement, en plus de couvrir une très grande majorité de l'écran. Je plaçais donc un maximum proche du point central de la map afin de couvrir tous les chemins de monstres possibles. J'ai de plus modifié mes bagues avec le processus d'annoncement qui permet d'ajouter des bonus à vos bagues ou amulettes, améliorant alors votre puissance ou celle des tourelles en utilisant des huiles. Avec 3 Ember Oil, vous pouvez améliorer vos bagues en ajoutant un mode améliorant les dégâts de vos Scout Towers de 25%. J'ai donc appliqué cette formule sur mes deux bagues pour avoir un bonus total de 50% de dégâts supplémentaires sur tous mes Scout Towers. Une chose importante à noter, avant de placer vos tourelles, il faut faire attention aux immunités que les monstres peuvent avoir face aux tourelles. Vous pouvez voir ces immunités sur la ligne en bas de votre écran, montrant le nombre de points de spawn que la map va avoir, les lieux où des boss vont apparaître, ainsi que les immunités que les monstres auront grâce à l'icône de tourelle sur certains points de spawn. S'il n'y a que quelques immunités aux tourelles électriques ou de minions, ceci ne causera pas de problème car ces tourelles se compléteront et attaqueront les monstres restants qui n'ont pas pu être tués par les autres tourelles. Cependant, si vous tombez sur une map ayant entre 5 et 10 immunités d'un type en particulier que vous souhaitez placer, je vous suggère de changer de stratégie sur vos choix de tourelles. Vous pouvez ainsi vous amuser avec les autres tourelles, car à ce niveau de map, quasiment n'importe quelle défense suffit pour finir la map sans difficulté. Les tours sismiques sont extrêmement efficaces rien qu'au niveau 1 pour étourdir tous les monstres dans son champ d'action, les tours de flammes au rang 4 spécialisées en météorites sont efficaces contre les boss, et les tours de glace au rang 4 avec l'emprisonnement de glace peut beaucoup vous servir à bloquer les monstres et les boss afin de pouvoir les tuer à temps. Enfin, je vous conseille toujours d'accompagner ces tourelles avec une tour de puissance de niveau 3 maximum, ce qui augmente drastiquement l'efficacité de ces tourelles. Avec ces stratégies, le mapping de blade et de map de bas niveau devient alors très facile et peut être fait avec n'importe quelle bulle. Il vous suffit simplement de placer quelques tourelles à des endroits spécifiques et vous pourrez facilement AFK au centre de la map et attendre qu'elle se termine elle-même. Enfin, pour une distance d'environ supérieure à un écran ennemi des tourelles, elle se désactive et n'attaque plus les ennemis qui, eux, continuent à s'approcher de votre sport que vous devez protéger. Donc faites attention à ne pas trop vous éloigner trop loin car vous pouvez très rapidement échouer la map avec peu de monstres attaquant votre sport. Au moment de récupérer les loots, j'utilisais l'outil Chaos Enhancer afin d'optimiser le ramassage d'objets pour la recette de chaos. Ce logiciel permet de vous indiquer la quantité d'items qu'il vous manque pour chaque type d'objet afin de réaliser cette recette en fonction du nombre d'items que vous possédez dans votre coffre. Il changera donc votre loot filter en fonction de vos besoins mais aussi en fonction des couleurs et des paramètres que vous aurez au préalable configurés. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment l'installer ou l'utiliser mais vous trouverez dans la description un lien vous permettant de le télécharger et aussi un guide vous expliquant comment l'utiliser. Mais pour faire court, j'ai configuré l'outil afin qu'il scanne la page dédiée au loot, afin qu'il calcule mes besoins d'items, et j'ai changé le code couleur de chaque type d'item afin de mieux m'y repérer pour le ramassage d'objets. Enfin, j'ai aussi donné au logiciel le loot filter que je souhaitais utiliser pour bien afficher le loot. Après cela, il faut qu'à chaque dépôt d'items et à chaque fois que vous rentrez dans une zone, d'appuyer sur le bouton refresh pour scanner votre coffre, et enfin d'actualiser votre loot filter pour ne faire apparaître que les loots dont vous avez besoin. Il faut savoir que vous devez au préalable avoir un loot filter faisant apparaître les items entre les I e Level 60 et 74. Afin que l'outil puisse efficacement faire apparaître tous les bons items. De plus, vous ne pouvez faire un scan de votre coffre que toutes les 15 secondes, donc faites attention à ne scanner qu'à des moments opportuns, comme à chaque entrée de map, pour ne pas perdre de temps à attendre que le bouton se recharge. Utiliser la recette de chaos et ce logiciel m'a énormément servi afin d'amortir rapidement le prix de chaque map achetée. De plus, les maps Blight offrent souvent des coffres dédiés aux équipements d'armure, d'armes et en particulier des bijoux. Qui sont généralement les ingrédients de la Chaos Recipe les plus difficiles à farmer. De ce fait, j'ai constamment pu rembourser au minimum la moitié du prix de la map farmée, voire jusqu'à la totalité de l'investissement. Donc prendre le temps de farmer cette recette a été un énorme boost dans mes bénéfices et m'a permis de facilement me réapprovisionner en Chaos Orb afin de continuer ce farming et m'acheter des nouvelles maps. Mis à part la recette de chaos, la plupart de mes gains proviennent généralement des coffres de currency, de fragments, d'essence et de fossiles. Ce sont l'accumulation constante de tous ces petits objets de valeur qui, lorsque vendus en grande quantité, Apporte énormément de Chaos Orb. Voici un tableau Excel qui ressource toutes les informations de l'expérience réalisée. Une page est dédiée à l'investissement des maps et leurs coûts, et une autre répertorie tous les doutes que j'ai pu ramasser ainsi que les bénéfices totaux que j'ai pu réaliser. On peut voir qu'avec seulement la partie currency, j'ai pu rentabiliser l'entièreté de l'expérience. Les currencies de valeur comme les de deck ou les orbs of fusing ont une grande valeur unitaire, donc les vendre à grande quantité vous rapporte beaucoup. De plus, je convertissais mes Yellow Wars Orb en fusing pour maximiser les ventes et les gains en currency. J'ai aussi dropé quelques divine armes et exaltés, qui sont des luttes qui ont apporté pas mal de bénéfices au farming, mais même sans eux, les bénéfices restent très grandes. Les essences et les scarabs sont aussi d'excellents items de valeur qui peuvent être vite vendus à grande quantité. Vous retrouverez beaucoup d'essences dans les maps qui se vendent à un chaos l'unité, ce qui rentabilise très rapidement vos maps. Pareil pour les essences et les scarabs. Attendre d'en avoir une grande quantité et de les vendre en batch vous permet d'augmenter le prix unitaire et donc de potentiellement doubler vos gains en chaos. Vous pouvez aussi retrouver des fossiles, des cartes et quelques loots de valeur qui de la même manière apportent de la valeur ajoutée à vos gains. A la fin de l'expérience, les 100 mobs ont coûté au total 1609 KO, ce qui équivaut à 10,4 exaltés. Mes gains bruts sont de 7521 KO, ce qui est égal à 48,7 exaltés, ce qui nous fait un total de bénéfices de 5912 KO, soit 3,6 fois l'investissement de départ. Le temps de toute l'expérience m'a pris dans les alentours de 20 heures. Ceci comprend le temps d'achat des maps et de leur préparation, du temps de mapping, mais aussi du rangement et de la vente des loots. Donc cette durée est totalement abordable pour le peu d'investissement nécessaire. Ceci nous fait donc un taux de 250 chaos par heure de bénéfice, ce qui est excellent pour les joueurs n'ayant pas de build extraordinaire et qui aiment ce genre de mécanique. Cette méthode de farming est parfaite pour les débutants et peut être totalement poussée plus loin pour gagner plus de currency. Vous avez la possibilité de farmer des maps de plus haut tiers et d'utiliser des huiles de plus haut niveau comme les Crimson Oil ou les Silver Oil. Ces maps-là vous permettront de dropper des loots ayant bien plus de valeur pouvant très rapidement rentabiliser l'investissement. Comme bilan, je dirais que cette méthode de farming est très sûre en termes de rentabilité et de difficulté. Il n'y a aucune chance que vous ne fassiez pas de currency en farmant des baited maps. Évidemment, farmer qu'une map ou deux peut mal se tourner car vous pouvez avoir de la malchance, mais si vous investissez dans plusieurs maps en améliorant au maximum la quantité d'items s'y trouvant, je suis certain que vous arriverez rapidement à vous faire des chaos en plus afin d'aller plus loin dans votre farming. En termes de désavantages, je dirais que ce genre de farming peut vite sembler long et ennuyeux pour les joueurs n'aimant pas cette mécanique. Cela devient encore plus long si vous utilisez et optimisez un maximum la recette de chaos, mais toutefois ce genre de farming vous permet de faire des activités de côté comme regarder une série, un podcast ou encore des vidéos YouTube comme les miennes, après avoir placé quelques tourelles pour vous défendre automatiquement. Voilà la fin de ce guide et j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous invite encore une fois à vous abonner et je vous dis à une prochaine vidéo.